Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va voir si c'est vraiment possible de faire fortune avec de la chance. Tout le monde connaît au moins deux principes, les machines à sous des casinos. Il en existe de tout type, mais les plus intéressantes à étudier sont celles qui consistent à lâcher une bille ou une pièce et à deviner où est-ce qu'elle va tomber. L'une des plus simples est la planche de Galton, inventée par... Au hasard, je dirais Monsieur Galton. Sir François Galton, et son invention se compose de cette façon. Une entrée tout en haut où on y lâche une bille ou une pièce. Ensuite, il y a un clou que la bille va heurter. Puis au second étage, il y a deux clous. Puis trois, puis quatre, puis cinq, etc. Quand la bille heurte un clou, elle a autant de chances de tomber d'un côté que de l'autre. À la fin, il y a plusieurs compartiments et forcément, la bille va finir dans l'un d'eux. Disons que dans notre cas, il y a 10 lignes, donc 11 compartiments. Le but du jeu est le suivant. On choisit un des 11 compartiments et on lâche une pièce de 1 euro. Si la pièce tombe dans le compartiment qu'on a choisi, on double notre mise. On repart avec 2 euros. Sinon, on perd. La question est-ce que ça vaut le coup d'y jouer? Je vais essayer de... Moi je sais. Ah, vas-y. Il y a 11 compartiments. Donc quand on lâche la pièce, on a une chance sur 11 qu'elle atterrisse dans celui qu'on a choisi. Car comme tu l'as dit, quand la pièce percute à clou, il y a autant de chances qu'elle tombe d'un côté que de l'autre. Or, si on a une chance sur 11 de gagner et qu'on repart seulement avec 2 euros à chaque fois qu'on gagne, on est perdant sur le long terme. Pour que ce soit au moins équitable, il faudrait qu'à chaque fois qu'on gagne, on reparte avec 11 euros pour 1 euro joué. Bien, bien, bien. Et si maintenant, au lieu de repartir avec le double à chaque fois que tu gagnes, tu repars avec le quintuple. Pour 1 euro joué, tu repars avec 5 euros. Est-ce que ça vaut le coup d'y jouer? Ça marche pas, je suis toujours perdant. Eh ben t'as faux. Dans ce cas-là, faut jouer. Ok, j'abandonne. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est lâcher un grand nombre de billes ou de pièces et regarder où est-ce qu'elles ont tendance à aller. Ça peut nous donner un début d'explication. Bon, déjà, l'hypothèse comme quoi on a autant de chances de tomber sur un compartiment plutôt qu'un autre tombe à l'eau. Mais pourquoi ? J'explique avec un cas plus simple. Si on regarde la planche avec seulement 4 étages, quels sont les chemins possibles pour que la pièce arrive dans le compartiment A ? Eh bien en fait, il n'y en a qu'un seul. Il faut que la pièce longe toujours la paroi, car si à un moment elle dérive, il ne lui est plus possible d'atteindre l'arrivée A. Pour l'arrivée B, en revanche, on peut constater qu'il n'y a pas un, mais 4 chemins qui mènent à cette sortie. De prime abord, on pourrait penser que tous les réceptacles ont la même chance d'être le gagnant. Mais en réalité, ce sont les différents chemins possibles qui ont autant de chances d'être choisis par la pièce. On comprend en fait que chaque sortie n'a pas le même nombre de chemins qui permettent de l'atteindre. Vous avez 6 fois plus de chances de tomber sur C que sur A. Et ça se voit clairement. Si on lâche un grand nombre de pièces ou de billes, comme il y a plus de chemins qui mènent à C, c'est normal que ce soit là qu'il y ait le plus de billes. Tous les chemins mènent à Rome. Pour calculer les différentes probabilités, il suffit de prendre le nombre de chemins qui permettent d'atteindre cette sortie, divisé par le nombre de chemins total. La probabilité du chemin central, celle qui est la plus élevée, est de 6 sur 16, soit 37,5% environ. On a un peu plus d'une chance sur 3 de gagner si on choisit la sortie C. Dans cette configuration, le jeu devient rentable si à chaque victoire, je repars avec le triple de ma mise. Pour 1 euro joué, je repars avec 3 euros. Mais du coup, dans notre cas avec 10 étages, à partir de quand ça devient rentable? Je sais comment on fait. Seconde chance. On laisse tomber un très grand nombre de pièces, on regarde combien il y en a dans le réceptacle central, on divise le tout par le nombre de pièces totales qu'on a laissé tomber, et on a à peu de choses près notre probabilité. Solution qui fonctionne. Yes! Mais maintenant, je veux la vraie probabilité. Eh bien, dans ce cas-là, je te dirais que je... Et si on programmait un ordinateur pour calculer tous les chemins possibles et qui nous dirait combien de chemins mènent vers telle sortie? Ce serait très long et très compliqué de les lister manuellement. Et c'est sûrement impossible avec un simple petit raisonnement de tous les lister. Vous voyez où je veux en venir? On va utiliser un objet mathématique très simple, mais vraiment, vraiment génial. Le triangle de Pascal.
Non, pas celui-là. Blaise Pascal, le mathématicien français. On met un 1 tout en haut, puis comme on veut former un triangle, en dessous il y aura deux termes. Et pour savoir la valeur de ces termes, on regarde les cases juste au-dessus qui la touchent et on les additionne. Bon, là ça fait 1 dans les deux, mais vous allez comprendre au suivant. Cette case touche 2, 1, donc on y met 1 plus 1, 2. Cette case ne touche qu'un 1, et celle-là aussi. Cette case touche un 1 et un 2, donc on y met 3, et on construit un triangle aussi grand qu'on veut. Eh bien, l'une des nombreuses propriétés de ce triangle est de pouvoir donner le nombre de chemins dans le cas de la planche de Galton. Si on revient à notre cas avec 4 lignes, donc on s'arrête jusqu'à avoir 5 termes, car il y a 5 compartiments. Le nombre qu'on peut lire, c'est le nombre de chemins. Là, on peut voir qu'il y a bien 4 chemins possibles. Ici, la démonstration n'est pas vraiment importante, mais si vous voulez la faire. Just do it! Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est construire notre triangle de Pascal jusqu'à avoir 11 termes à sa base. On prend la valeur la plus haute, la case centrale forcément, et on la divise par la somme de tous les termes. Ça fait 252 sur 1024, soit un peu moins d'une chance sur 4. Comme on a un peu moins d'une chance sur 4, le jeu devient rentable si pour 1 euro joué, on repart avec 5 euros. Ici, la situation est trompeuse, mais dans l'autre sens. Bien souvent, on pense pouvoir gagner, mais en fait non. Et là, on pense perdre, alors qu'on a toutes nos chances de gagner. C'est fourbe les maths, hein? C'est loin d'être la seule propriété du triangle de Pascal. Il en a vraiment beaucoup. Mais je ne peux pas toutes les lister dans cette vidéo. J'en profite aussi pour vous mettre dans la description le site qui permet de faire plusieurs simulations de la planche de Galton. Certains, qui sont très habiles de leurs mains, ont même reconstruit cette curiosité probabiliste. Alors vous aussi réfléchissez toujours avant de jouer, n'oubliez pas que les situations sont souvent trompeuses en ce qui concerne les probabilités, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus!